Sœur Lydia de Jesús. Nous expérimentons tous les hauts et les bas de l'existence, les moments joyeux comme aujourd'hui, les moments douloureux aussi. Et finalement, les uns et les autres sont autant d'occasions d'entendre et de mieux découvrir l'appel de Dieu. De discerner ce qu'il convient. Ma sœur, vous avez déjà été consacrée par l'eau et par l'esprit au jour de votre baptême. Voulez-vous, au titre nouveau de la profession religieuse, être liée à Dieu plus étroitement? Voulez-vous librement suivre le Christ venu pour servir et non pour être servi? Et qui vous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voulez-vous, dans ce but, faire les quatre vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et d'hospitalité, vous consacrant ainsi au service de Jésus-Christ dans les personnes âgées pauvres, selon la tâche providentielle confiée par l'Église à la congrégation des petites sœurs des pauvres. Que Dieu Tout-Puissant vous l'accorde par sa grâce. En presencia de la Santísima Trinidad y de María Inmaculada, yo, Sor Lidia de Jesús, hago profesión de los consejos evangélicos en manos de Madre María del Monte Auxiliadora, Superiora General de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, y prometo a Dios observar fielmente los votos de castidad, pobreza, obediencia y hospitalidad por 2 años según las constituciones. Sœur Lidia de Jesús, recevez les constitutions des petites sœurs des pauvres, don de l'Église et guide sûr pour suivre le Christ dans votre vocation. Thank you.
Lidia de Jesús. Oui, mais. Bromance de Paris-Bruxelles, Maison de Versailles.